Yo les postes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois avec Djibril. Salut Djibril. Salut à vous, salut à toi Sacha. Alors après ces grosses émotions hier, hein, après cette victoire du Paris Saint-Germain, 7 buts à 1, où vraiment on a été dans une euphorie incroyable, dans une émotion incroyable, et très clairement c'est un match extraordinaire qu'a fait le Paris Saint-Germain hier. On va en reparler, on va parler de la suite de la saison, de Neymar, de Messi, de Mbappé, du parcours du Paris Saint-Germain dans cette future Ligue des Champions, jusqu'où peut aller le Paris Saint-Germain cette saison, le niveau de jeu de Neymar. On va voir un petit peu d'autres choses aussi. Aussi l'énorme défi hein, que Galtier a lancé à ses joueurs. Avant de commencer cette vidéo, les postos, comme vous le savez, Djibril a une chaîne YouTube. D'ailleurs, il a sorti son débrief d'après-match hier. Sa chaîne YouTube, incroyablement parisien. Le lien est en bas en description, les postos. S'il vous plaît, allez vous abonner en masse. Faites-le pour moi, faites-le pour Djibril. Djibril qui a une très belle élocution, une très belle connaissance du football. Donc le lien est juste en bas en description. Un petit mot très rapide, Djibril, sur ta chaîne. Donc voilà, donc bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis Djibril, incroyablement parisien. Donc voilà, le PSG, la page que je fais, c'est vraiment dédié sur le Paris Saint-Germain tout au long de cette saison. Il y aura beaucoup de matchs que je vais débriefer. Aussi, on va parler du mercato, des joueurs qui ont été étudiés par Campos, des rumeurs qui tournent à gauche à droite. On va essayer d'affilier ça au Paris Saint-Germain. Donc voilà, je compte sur vous pour partager un maximum, pour liker. Et pour suivre mes vidéos, vraiment, je vais essayer de faire des contenus tout au long de cette saison et des saisons à venir. On espère vraiment, je compte sur vous. Le chemin, je peux le faire, mais j'ai besoin vraiment de votre soutien. Voilà les Merci. postos, le lien est en description, incroyablement parisien, n'hésitez pas à aller vous abonner en masse, faites plaisir les postos. Merci à vous. Bon Djibril, hein, on va revenir sur ce match très brièvement, avec cette victoire incroyable, presque tous les joueurs ont été parfaits, Neymar 9,5 sur 10, il aurait pu peut-être avoir un 10 sur 10, il a été partout, franchement depuis un mois il est assez impressionnant, comme Christophe Galtier hier l'a dit pendant l'après-match, Neymar est celui qui donne le plus de volume, d'équilibre et d'intensité. C'est vrai que très clairement, on l'a critiqué comme pas possible. Hein. Pendant plusieurs années, ça fait plus de 3 ans. Hein. Ça fait 3 ans qu'on le critique, qu'on le met plus bas que terre, à juste titre. J'ai bien dit à juste titre. Parce que quand Neymar fait des bonnes choses, ou quand n'importe quel autre joueur fait des bonnes choses, on le dit. Quand c'est moyen, on le dit. Quand c'est mauvais, on le dit. Exactement. Voilà, Mbappé, il n'a pas été très bon la semaine dernière, on l'a dit. Mais quand même, il a marqué un but. Il a été quand même décisif dans certaines actions du Paris Saint-Germain. Honnêtement. Alors, écoutez bien la question, commencez pas à partir quand même dans des folies. Écoutez bien la question. Même Djibril a été surpris au début quand je l'ai posé, mais après je lui ai bien donné une précision. Parce que la précision, il l'avait pas entendue. Djibril, très clairement, depuis la reprise des compétitions, c'est-à-dire les trophées des champions, en Angleterre le Community Shield, en Italie et Espagne, Super Coupe d'Espagne, depuis fin juillet, début août, au 22 août aujourd'hui, est-ce que Neymar est le meilleur joueur du monde du début de saison. Je dis bien du début de saison. Est-ce que Neymar est le joueur le plus impressionnant de ce début de saison, tout championnat confondu, toute équipe confondue, par rapport à ses stats, par rapport à ses buts, ses passes décisives, mais aussi ce qu'il donne sur le terrain au niveau de l'état d'esprit, de la collectivité, au niveau aussi de la rapidité des courses. Honnêtement, est-ce que Neymar, depuis ce premier mois de compétition, est le meilleur à l'heure actuelle? Bon, Neymar en Ligue 1, ça c'est sûr. Hein. En Ligue 1, Neymar, voilà, ça reste vraiment le numéro 1 actuellement depuis le début de la Ligue 1, Depuis le début de saison, hein. depuis le trophée des champions. Maintenant, de manière générale, je ne sais pas, parce que c'est pas le même championnat, c'est pas les mêmes rendements, c'est pas la même Mais intensité. je parle depuis le début de saison, hein, Djibril, hein. Pas depuis Oui, la dernière année, hein, par exemple. bien sûr, bien évidemment. Donc voilà, c'est pas la même intensité par rapport aux autres championnats, donc c'est un peu compliqué de pouvoir juger par rapport à la première ligue où ça nécessite encore beaucoup plus de travail, beaucoup plus de repli défensif, beaucoup plus de phases, etc. Intensité. Donc je pourrais pas juger comme ça, mais en tout cas en Ligue 1, ça c'est clair, c'est sûr et certain que pour le moment, Neymar c'est le numéro 1, ça c'est clair. Bon, on a vu des Alain Saint-Maximin qui a été impressionnant hier contre Manchester City. On voit Haaland qui fait un très bon début de saison. On voit un Sadio Mané qui fait un très bon début de saison aussi au Bayern de Munich. Un Lewandowski aussi qui Bernardo commence pas Silva. mal. Bernardo Silva aussi très fort. D'ailleurs, Bernardo Silva hein, qui pourrait signer à Barcelone dans les prochaines heures. Hein. On l'a vu à l'aéroport hier de Barcelone. Donc ça pourrait se faire. On sait que le Paris Saint-Germain n'a pas laissé tomber. Ça négociait encore hier avec Manchester City parce qu'il paraît qu'entre City et le Paris Saint-Germain, ça s'est apaisé les relations. Mais voilà. Bernardo Silva va absolument aller au FC Barcelone. En tout cas, il est au Barça. Il est à Barcelone en ce moment. Il est arrivé à l'aéroport hier. On verra ce qui se passera. Mais bon, franchement, honnêtement, dans ton avis personnel, bon, t'as vu quand même quelques matchs aussi en Angleterre cette saison, en Espagne. Franchement, le joueur qui t'impressionne le plus cette saison, c'est au début de saison, de ce début de saison, hein, c'est Vinicius, c'est Alain Saint-Maximin, c'est Haaland, c'est Mané, c'est Messi, c'est Neymar, c'est Mbappé, c'est un autre joueur. Moi, franchement, moi, c'est plutôt deux joueurs que je vois précisément. Moi, c'est Messi et Neymar.
Ok. Hein, parce que je regarde beaucoup plus le PSG que les autres équipes. Après, je regarde aussi la Première Ligue, mais vraiment en termes de rendement depuis le début de saison, en termes de matchs qui se sont suivis par la suite, qui se sont succédés par la suite, qui se sont poursuivis. Pour moi, c'est le PSG, Neymar et Messi. Vraiment, Bah. ils ont eu un rendement tous les matchs depuis le début de la saison. Bah, Djibril, j'ai une stat très convaincante. Hein. Neymar, sur ses 4 premiers matchs officiels de la saison, 3 journées de Ligue 1 plus Trophée des Champions, c'est 7 buts, 6 passes décisives, autant presque que sur les 2 dernières années. Ah, donc voilà, donc là ça en dit beaucoup. En 4 matchs. En 4 matchs, tu vois, donc ils ont fait autant de passes décisives et ils ont autant marqué. Donc là, quand même, c'est quand même quelque chose, pour dire la vérité. Surtout que là, maintenant, en Ligue 1, là, il y a beaucoup plus d'équipes qui sont fournies parce que toutes les équipes qui faisaient le bus, ils sont descendus en Ligue 2, les C'est Saint-Étienne, ça. les autres équipes, Bordeaux. les Bordeaux, etc. Donc là, maintenant, on est opposé face à des équipes qui jouent. On a C'est les ça. Strasbourg, on a RC Lens, on a Lille qui a joué hein, malgré tout. Le match qu'on a pu voir ce soir, ils ont joué. Hein. Bamba, Nantes. Jonathan David, ils ont bien joué. Nantes, ils ont bien joué. C'est juste que c'est le Paris Saint-Germain qui était vraiment au-dessus, pour dire la vérité. Donc là, maintenant, ça va permettre aussi au PSG d'exprimer mieux leur jeu par le fait que là, il y aura moins d'équipes qui vont faire le bus. Donc là, ça sera beaucoup plus facile lors des contre-attaques. Alors, est-ce que Neymar peut rester à un niveau comme ça toute la saison? Et on va prier le bon Dieu pour que Neymar ne se blesse pas et qu'il reste à ce niveau-là toute la saison. Ah Alors ouais, moi, je ne ça. demande pas qu'il soit comme ça toute la saison, mais au moins trois quarts de la saison, et surtout comme ça dans les matchs cruciaux en Ligue des Champions. Après, il y a la Coupe du Monde, on sait très bien qu'il la prépare, on va pas se mentir. Peut-être qu'il se met à niveau aussi, parce que dans quelques mois, il y a la Coupe du Monde, même si je pense que le message que lui a fait passer le Paris Saint-Germain en expliquant que peut-être il était sur la liste des départs, ça lui a peut-être aussi fait un électrochoc dans la tête. Mais honnêtement, est-ce que tu y crois, toi, à Neymar, à ce niveau-là, toute la saison? Là, j'ai pas vu depuis que Neymar il est arrivé au PSG, j'ai pas vu un joueur qui est déterminé. Après, attention, attention, parce qu'on a tendance aussi à beaucoup oublier certaines choses. Neymar, avant beaucoup de matchs, je sais pas si vous en rappelez, avant beaucoup de grands matchs de Ligue des Champions, il a souvent été présent. Le match contre Dortmund, il avait cité la même chose, il a dit, vous allez voir, on va gagner. Ils ont gagné. Le match contre Bayern, il a fait la même chose. Ils ont gagné. Donc Neymar, c'est quand même un joueur qui est compétiteur. Mais il a souvent été là dans des matchs. Voilà, on en déplaise à ceux qui le critiquent. Oui, c'est vrai il a des problèmes ultra sportifs. Il a des problèmes à gauche, à droite. Mais sinon, sur le terrain, dans certains grands matchs, il a souvent répondu présent. Maintenant, là, Neymar, moi, ce que j'en pense actuellement, je pense vraiment du positif. Parce que là, je vois un joueur qui est vraiment transcendé. En plus, il a une bonne préparation. Contrairement à la saison dernière et l'autre saison, parce que la saison il y a 2 ans, il y avait le Final 8, donc ils ont C'est enchaîné ça. directement. Et la saison d'avant, il y avait la Copa América, donc ils avaient très très peu de jours de repos. Mais là, vraiment, là, ils ont un temps pour pouvoir essayer de se préparer et surtout trouver des automatismes avec Messi, Neymar, etc. Donc c'est plutôt bien. Et surtout dans ses comportements, on le voit plus traîner dans les réseaux sociaux à 3, 4, 5 heures du matin. Bonne attitude. Il a montré aussi des messages privés qu'il a reçus d'une femme. Comme quoi la femme lui envoyait des nudes et tout. Lui, il a dit c'est très bien, mais le travail m'empêche de continuer à te parler. Ça, c'est exceptionnel aussi. Quelques stats, pas seulement sur Neymar. Après, on passera sur un autre sujet. Nuno Mendes, en 4 matchs cette saison, c'est 2 passes décisives. Déjà, il a record égalé de l'année dernière. Donc, c'est-à-dire, c'est très bien pour Nuno Mendes. Kylian Hakimi. Mbappé est à 25 buts du record d'Edinson Cavani. Hakimi qui met déjà plus de buts que la saison dernière en championnat, je crois. Donc c'est quand même assez incroyable. 4 matchs officiels joués cette saison pour le Paris Saint-Germain. 21 buts marqués déjà, plus que le Bayern de Munich qui en a marqué 20. C'est incroyable. Et 3 buts encaissés seulement. Bon bah là honnêtement on a vu aussi que Wijnaldum souffre d'une fracture du tibia droit, donc on a bien fait de s'en séparer aussi. Exactement. Très clairement au milieu de terrain. Marquinhos, on a été efficace dans nos occasions. Lille aussi a eu des occasions. On doit être plus fort quand ils arrivent à casser notre ligne haute. Donc un PSG sérieux, appliqué, collectif, efficace devant le Et qui but. cherche à être beaucoup plus fort. Et qui se Donc fait plaisir là, aussi en même temps. voilà. Et en plus là, ils se remettent Voilà. en question. On voit même la déclaration de C'est Donnarumma. ça. Alors à ce niveau-là, c'est injouable, du moins en Ligue 1, Djibril. Donc maintenant, la question que je te pose, et d'ailleurs, il y a eu des rumeurs comme quoi Christophe Galtier et Luis Campos auraient demandé à tous ces joueurs de rester invaincus toute la saison en Ligue 1. Bon, après, Galtier, après le match, a démenti cette information, mais j'y crois pas une seule seconde, hein. Je pense que vraiment, ça a été un des objectifs qui a été, on va dire, mis aux joueurs la semaine dernière pendant les séances d'entraînement. Est-ce que le Paris Saint-Germain peut finir invaincu la saison en Ligue 1 cette saison? Moi, je pense que c'est possible. Parce que là, on a vu vraiment une attitude
au sujet de certains joueurs, de tout le monde, hein, de tout l'effectif, parce que même les remplaçants, on a pu voir aussi que les Danilo et tout peuvent remplacer. Après, maintenant, pour pouvoir faire ça, il faut que le PSG apprenne aussi à ménager certains joueurs. C'est ça. Parce que là, par exemple, Ramos, les prochains matchs, après Monaco, parce que là, c'est quand même un grand match de Ligue 1, les prochains matchs, par exemple, si on joue contre des équipes du milieu de tableau, là, il faut qu'ils essayent un peu de faire tourner déjà un pour avoir du temps de jeu pour les autres, pour qu'eux aussi puissent s'intégrer à ce 3-5-2. Et surtout, parce que Ramos, il a quand même un âge qui est élevé, il a 36 ans C'est pour ça. éviter les blessures. Et mais c'est aussi pour le ménager, pour, par exemple, mettre Renato Sanchez à cette position-là, ou peut-être Vitinha beaucoup plus haut. On peut essayer de tenter de faire certaines choses, et ça peut être important en cas de blessure. Il faut qu'il y ait des automatismes aussi avec des remplaçants au cas où ils peuvent dépanner dans certains matchs. À ce niveau-là, Djibril, c'est franchement c'est un réglable, c'est un régal, pardon, excusez-moi. C'est un régal, c'est un jeu tout en simplicité. Ça, Exactement. c'est Et incroyable. surtout un collectif que j'ai jamais vu de la part Ce de devant, Neymar. surtout. Ce devant. Neymar, c'est incroyable. Là, il est Voilà. collectif. Il est même beaucoup trop collectif, carrément. Des fois, il a des occasions, il peut tirer, Ouais, c'est de mais l'art. il va faire la passe. Tu vois, il va vraiment faire la C'est de passe. l'art. Là, il y a le côté altruiste que j'ai vu. Donc là, c'est vraiment très bien. C'est Maintenant. de l'art, c'est de la symphonie. Et ce retour du jeu, ce retour du vrai football à Paris fait réellement plaisir. C'est un honneur, très clairement. Donc maintenant, bon, moi je pense que si vraiment ils restent sérieux, concentrés, pragmatiques, ils peuvent rester invaincus toute la saison. Oui ou non? Oui, c'est vrai. Franchement, Voilà. je pense que ça peut être une possibilité. Alors maintenant, bon, on va pas se mentir, tout ce qui intéresse le club en particulier, même si la Ligue 1, c'est toujours important de la gagner. Très clairement, on connaît l'objectif ultime des dirigeants, des joueurs, des supporters surtout. Très clairement, c'est peut-être un peu trop tôt pour se prononcer, mais honnêtement, Djibril, quand tu vois Manchester City, quand tu vois Chelsea, quand tu vois Liverpool, quand tu vois le Real, le Barça, le Bayern, est-ce que honnêtement, le Paris Saint-Germain, on est passé peut-être dans les 16 ou 12 favoris à peut-être 8-4, voire 4 favoris maintenant, ou faut rester mesuré, on fait partie quand même des 8. Moi, je pense que le PSG a toujours fait partie de ces 6-7 joueurs dans les Mais favoris. maintenant avec ce nouveau jeu-là, très Maintenant, avec ce clairement. nouveau jeu, on va attendre de voir si ça arrive à le faire à long terme. C'est ça. Moi, où je commençais à faire mon premier bilan, c'est à partir des 6 premiers mois, lorsqu'on arriverait à la trêve. Lorsque, si par exemple, le Avant la PSG. Coupe du Monde? Avant la Coupe du Monde? Avant, Novembre? on va dire novembre, déjà, c'est une bonne chose. Après, on verra par la suite. Parce que, voilà, des fois, le PSG a des fois des mauvais démons, on a pu le voir. Mais bon, moi, je pense que moi, je reste positif. Franchement, avec ce qui se passe, je reste vraiment positif. Et surtout que là, maintenant, le club, il est structuré avec les dirigeants. Moi, je pense que j'ai remarqué quelque chose que tu as dû remarquer aussi, Djibril, mais qu'on n'a pas forcément cité. Depuis le match contre Nantes et les trois matchs de Ligue 1, j'ai l'impression que le Paris Saint-Germain peut marquer à tout moment. Chose qui n'existait pas lors de ces 3-4 dernières années. Surtout depuis le départ de Unai Emery. Là, j'ai l'impression que maintenant, les mecs, non seulement ils vont toujours vers l'avant, pressing tout terrain, ils veulent toujours attaquer, ils veulent toujours marquer. Et j'ai l'impression qu'ils peuvent marquer à tout moment avec Exactement. ce nouveau système. Et très clairement, depuis qu'il n'y a plus les buts à l'extérieur, ça peut être très clairement un avantage pour le Paris Saint-Germain. Et je pense très clairement que si le Paris Saint-Germain passe ce fameux cap des huitièmes de finale, très clairement le Paris Saint-Germain, s'ils arrivent en quart, pourrait peut-être être un adversaire redoutable. On sait que les huitièmes, c'est compliqué maintenant depuis plusieurs années. C'est vrai qu'on a passé le cap en 2020-2021, en 2019-2020. Après, voilà, on est retombé dans nos entractes, on va dire, dans nos enfers. Mais si très clairement le PSG passe les huitièmes en ayant continué à jouer comme ça pendant les poules, pendant le championnat, pendant les coupes, je pense que le PSG, à partir des quarts de finale, s'ils y vont, j'ai bien dit s'ils y vont, peut être l'un des quatre, voire trois favoris. Je pense aussi la même chose. Maintenant, après, voilà, on verra. Parce que Oui, c'est sûr. les autres équipes aussi sont Faut rester calibrées. tranquille. Voilà. Et franchement, là, je vois un PSG qui est beaucoup plus serein, beaucoup plus sûr d'eux. Et surtout que là, maintenant, avec Galtier qui est derrière, parce qu'en fait, Galtier, il a inculqué quelque chose à cette équipe, c'est que lorsqu'il marque, les joueurs, ils ne s'enflamment pas. Là, vraiment, Galtier, on le voit, il fait des signes sur le banc, il leur dit calmez-vous, restez calme, restez C'est concentrés dans le ça, match. et aussi calme. Et ça. Voilà, et lui-même est calme en fait. Il les aide justement à pouvoir rester concentrés pendant 90 minutes, contrairement à ce qu'on n'a pas vu avec Pochettino et Oh là Tourelle. là. Bah Les deux tu coachs. m'enlèves le mot de la bouche. Pochettino pour moi restera, hein. Je suis désolé, hein. Même depuis la création du Paris Saint-Germain, depuis 52 ans maintenant, restera le pire coach de l'histoire du Paris Saint-Germain. Parce que quoi qu'il en soit, même si à la fin de saison, peut-être que le PSG peut se faire éliminer en quart de finale de Ligue des Champions, Exactement. en huitième ou en demi, au niveau du jeu, le Pochettino, en fait, c'était un fantôme, c'était Kasper. C'était n'importe En quoi. fait, ils auraient dû prendre personne, peut-être mettre n'importe qui sur le banc, et ça l'aurait fait à l'arrivée. Mais très clairement, voilà. Je pense que Paris Saint-Germain s'était trop précipité peut-être à prendre un autre entraîneur.
Peut-être qu'il aurait fallu finir la saison avec Tourelle, quoi qu'il en soit. Mais peut-être qu'on n'aurait pas fait demi-finale avec Même Tourelle. Thiago Mais bon, c'est Motta, du on a fait passé. les Voilà, mais là, c'est du passé. On repart sur un nouveau cycle. Il faudra arrêter de parler de Pochettino à un moment donné. Mais c'est pour vous dire, quoi qu'il en soit. Après, il faudra jurer sur 10, 20, 30 matchs. Mais voilà, très clairement, je En tout cas, on crois. avait une patte, en tout cas, de Voilà. Galtier dès le début, contrairement à Tourelle. J'y crois à la saison invaincue en Ligue 1. J'y crois au beau parcours en Ligue des Champions, mais sur le long terme. Parce que certes, 4 matchs exceptionnels, mais c'est vraiment sur le long terme. Parce que rappelez-vous avec certains coachs, rappelez-vous Tourelle les 6 premiers mois. Tourelle les 6 premiers mois, c'était fantastique, et boum, c'est reparti dans la Après misère. Manchester United, on a sombré Non, c'est à totalement. partir du mois de janvier, la trêve de janvier, la trêve de Noël, rappelle-toi. Impeccable, premier du groupe Liverpool-Naples, premier en Ligue 1, 14 victoires Et encore, d'affilée, même la poule, c'était voilà, très 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 dur. difficile. C'était parce que c'est vrai qu'en Ligue 1, on a beaucoup jugé Tourelle. Ah, c'est On ça. avait dit que oui, en Ligue 1, on perdait. Mais moi, je me rappelle le C'est ça. match à Liverpool à Anfield, le C'est PSG ça. a souffert, mais d'une manière, ils n'arrivaient même pas à attaquer. Il a failli C'était faire un Neymar. hold-up en plus. C'était Neymar qui a réussi C'est à ça. trouver la situation pour la mettre Mbappé en fin de match. Oui, c'est ça. Donc, en fait, avec Tourelle, c'était beaucoup sur l'individualité. Pochettino, pareil. Et là, avec Galtier, on voit un collectif. On voit vraiment que tous les joueurs sont appliqués au collectif. Et même les latéraux, ils sont là, ils Et moi, combinent, je ils peux sont te là. dire, Djibril, quand je reste debout pendant un match du PSG, ça veut dire vraiment que ça joue bien, tu vois. Parce que c'est rare que je suis resté assis pendant 2 ans et demi. Hein, je peux te dire. À part les matchs contre le Barça, contre le Bayern, etc. Et au Final 8. Mais sinon, voilà, c'était les joueurs qui étaient un petit peu en. Comment on dit ça? Auto. Voilà, Voilà. Vous voyez ce que je exactement. veux dire? C'est eux qui jouaient pour eux, très Parce clairement. que c'est des Voilà. compétiteurs, faut dire la vérité. Neymar, c'est un compétiteur, il a pas besoin de C'est ça. Pochettino pour le motiver dans un En match comme ça. autogestion, voilà, c'est ça que je Voilà. parlais. Bah voilà les postons, en tout cas, voilà les thèmes du jour. Dites-nous en commentaire très clairement ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. N'oubliez pas d'aller vous abonner en masse à la chaîne de Djibril incroyablement parisien. Le lien est en bas en description. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss!